Bonjour, je m'appelle Pépé. Je suis un jeune artiste tatoueur camerounais. Je me suis donné pour objectif de devenir tatoueur professionnel d'ici 2 ans. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme promis à la première vidéo, aujourd'hui je partagerai avec vous mes techniques sur comment couvrir un ancien tatouage. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. Tout d'abord, désinfecter et nettoyer la surface du travail. Ensuite, posez son calque en bien respectant ses repères. Après avoir posé le calque, laissez bien sécher. Le matériel que j'utiliserai pour ce cover s'affichera sur votre écran. Avec 5RS parce qu'elle est capable de faire des petites lignes, des grandes lignes, des petits ombrages et des grands ombrages. Ensuite, j'utilise 9RM pour pouvoir donner de la profondeur aux ombres faites par 5RS. Au début du dessin, j'utilise juste du noir et du 7 gray wash pour pouvoir me donner les repères du dessin.
juge les repères de mon dessin, j'utilise les différents tons de gris pour pouvoir finaliser les ombres. C'est presque à la fin de notre tatouage. Pour finaliser, j'utilise du blanc. J'utilise du blanc pour pouvoir donner des reflets de lumière sur mon dessin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour pouvoir continuer à regarder la suite de notre cover sur la partie 3.